Vous avez sûrement entendu parler du hot rod, cette discipline hautement à la mode consistant à introduire des éléments de moteur contemporains dans des vieilles voitures des années 20 ou 30. On vous emmène cette fois-ci au Japon où l'exercice passionne et suscite même des émissions de télévision. Douglas Tompkins, le fondateur des marques de vêtements Esprit et The North Face, est un pionnier de l'écologie radicale. Il n'est donc pas étonnant que la marque continue à innover dans le domaine du green. Les fabricants et designers sont toujours à la recherche d'un moyen de développer leurs produits de la façon la plus éco-responsable possible, tendant à réduire toujours plus leur impact sur leur environnement. Démonstration. We've spent the last week in Taiwan visiting our mills and dyers and printers, so I was curious, what goes into making it as it is? How is that fabric woven? How is it dyed? I've been quite keen to learn about it. Our goal is really to look at all of those stages of the life cycle and figure out where we can reduce our impacts. My name is Adam Mott, and I manage sustainability for the North Face. The stages of the product life cycle are raw materials, material production and manufacturing, packaging, distribution, selling at retail, using the product, and the product's end of life. Rollerman est une sorte de super-héros si l'on en croit son costume recouvert de 31 petites roulettes. Ainsi vêtu, il dévale les routes allongé sur le ventre pour pratiquer ce qu'il a appelé le buggy rolling. Jean-Yves Blondeau, créateur du concept et incarnation humaine de Rollerman, a déposé le brevet pour cette activité qui ne manquera pas de séduire les plus barjots d'entre nous. La commercialisation n'est cependant pas pour demain, faute de constructeurs. Mais pour ceux que ça intéresse, sachez que Rollerman dépasse parfois les 100 km heure dans son armure à roulettes. C'est dans la Ghost Town, un espace industriel désaffecté, que la moto KTM 125 Duke nous fait son cinéma. Fidèle à sa sulfureuse réputation, KTM débarque sur le segment des motos 125 4 temps avec cette turbulente Duke 125. Monocylindre rageur, particule digne d'une grosse cylindrée et ligne taillée à la serpe, la bombe orange s'impose comme la nouvelle référence chez les roadsters sportifs.
Canaries font un excellent spot pour les surfeurs, comme le prouve cette vidéo qui nous donnerait presque envie de tout plaquer pour aller vivre sur une plage. L'école de surf Manawai à Fuerteventura nous met en effet en appétit avec ses superbes images pour une prochaine destination de vacances peut-être.